Alors on se retrouve. Hello à toutes et à tous, c'est Benji. On se retrouve les amis aujourd'hui sous la pluie, mais surtout sur Connect T-Craft. Mesdames et messieurs, ça faisait un petit moment. Il y avait un peu de repos, etc. Il fait jamais beau sur le serve. Il pleut tout le temps. Bref, mesdames et messieurs, il y a des choses beaucoup plus importantes. Mon casque. Non. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas du tout quand je vous ai laissé projets, trucs, machin. On va aller voir ça. Alors, on va parler des projets qui ont été faits. On va aussi... Oui. Ah oui, oui. Et notre, Forte est venu nous arranger tout ça. Enfin, j'ai un peu rangé mieux. Bref, tout va bien. Alors, on va parler projet, mesdames et messieurs. On avait parlé donc du fameux projet de la salle Nether. Bon, ça, c'était dans les épisodes précédents. Je vous conseille d'aller les voir. On avait parlé donc de cette salle, fameuse salle Nether, bien évidemment. Oui, je ricorde, j'ai eu peur. Donc, de cette salle Nether, malheureusement, j'ai toujours pas trouvé de forteresse. Et en fait, pour tout vous avouer, mesdames et messieurs, j'ai pas eu le temps nécessairement, en fait, de vraiment creuser et d'aller chercher la salle Nether. Je me suis attelé à une salle juste à côté, une salle plus sympathique, plus facile, on va dire, à faire. Voilà. Donc, c'est la fameuse construction pour le biome glace. Donc, elle n'est pas totalement finie. Oui. On va dire que ce côté-là, bon, en fait, en gros, c'est une caverne de tout ce qu'il y a de plus normal, remplie de neige. Le biome neige. Eh oui, le biome neige. Depuis quand t'es là, toi? Depuis quand t'es là? Quand? Et un bonhomme de neige ici. Ok. Je te dis rien. Hein. Reste là. Ok, parfait. Bon. Écoutez, on découvre tout. Es-tu normand? Yes. Pourquoi? Aïe aïe aïe. Me gratte. Tout va bien. Alors, hein? Ah non. Hein. Bon. On avance. C'est de la neige. Oui, c'est de la neige. C'est fou, hein? Attendez, j'ai pété un truc sur mon casque ou quoi? Là, il me tire plus sur les oreilles. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allô? Non, c'est bon, tout est normal. Alors, je sais pas d'où vient cette araignée, faudrait la trouver. Quand vous arrivez ici, c'est un lac de gelée, hein, donc bien évident. Attention, ça glisse. LOL. Voilà. Très difficile, mesdames et messieurs, puisque nous n'avons tout simplement ni de packet ice, ni de seal touch, mesdames et messieurs. Oui, de seal touch. Vous avez vu l'accent English. On n'a pas non plus de seal touch pour récupérer de la glace, d'accord? Alors... Tout le personnel du serveur, tous ceux qui sont là depuis le début, les overcheatés, comme je les appelle, bien sûr, ont la seal touch. Mais moi non, nous on ultra hardcore, nous on doit en crever tous les 50 secondes, on ne l'a pas. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais en trompe-l'œil, etc. Donc voilà, avec juste ici, mesdames et messieurs, la petite coulée d'eau, tout simplement parce que il y a l'eau qui vient de l'extérieur, qui arrive ici et qui a gelé. Donc par ici sans issue bien sûr, c'est très difficile de passer, mais en fait c'est la suite tout simplement de la grotte, mais il y a eu un effondrement de neige. Donc j'ai préféré fermer la zone pour éviter qu'il y ait plus d'accidents, tout ça. Alors, les futurs projets. On parlait donc voilà ce qui a été fait, donc vous allez dire ouais, c'est rapide et tout, mais n'empêche que remplacer chaque bloc de creuser, parce que tout ça c'était pas creusé hein. Si ça c'était creusé, mais c'était pas aussi plané que ça, bon je sais plus trop, mais remplacer chaque bloc par des blocs de neige, je crois que j'en ai encore. Bah n'empêche que ça prend du temps, surtout de donner un petit effet naturel, etc. Donc c'est encore sujet à modification, notamment ça qui me plaît pas du tout, mais je vois pas trop comment je préfère, voilà. Je suis normande entre Le Havre et Fécamp, d'accord. Ok. Bon, alors, nouveau projet. Vous allez me dire, mais waouh, Benji. Ça fait un petit moment qu'on est en grotte, on fait des choses en grotte, on fait des choses magnifiques. Le problème, c'est que la salle que vous avez vue là, c'est la limite. Je ne peux pas creuser en dessous. Donc, il y a plusieurs possibilités, on va y retourner, en fait, de remonter à partir de cette salle-là. Donc, j'avais dit, tout simplement, j'avais dit, par exemple, genre ici, c'est un petit accès. On peut remonter par là, effectivement, et on aura une salle assez grande. On n'est pas totalement sous la salle Nether. On est un tout petit peu décalé vers la gauche. On aura probablement peut-être un petit accès rapide vers la salle Nether, mais pas totalement. Donc, on peut creuser vers cet endroit-là, mais ce serait un risque. Alors, je creuserai pour le prochain épisode, je sais pas, mais j'essaierai de creuser pour voir à peu près s'il y a un accès possible ou pas dans cet endroit-là. Sinon, non. Mais j'avais réellement en fait pour idée de partir sur l'extérieur.
On va aller revoir un peu l'extérieur. Vous avez remarqué, on est dans une forêt. On a un terrain immense avec une plage, une forêt et tout. Alors j'avais voulu un petit peu rénover cet endroit. Enfin, je sais pas, j'avais voulu. C'est qu'on va rénover cet endroit. Tout simplement. Donc ça, c'était la première salle qui a été faite. Une salle très magnifique, je l'adore cette salle. On va donc rénover à l'extérieur. En fait, on va s'occuper cette semaine à l'extérieur. De retirer les arbres. Ne prêtez pas attention à ça, tout va bien. De retirer, en fait, bon c'est dommage, il refait nuit. Et de retirer les arbres, en fait, et de faire ici, pas une petite ville, mais un petit endroit, une petite maison, etc. On était parti sur le principe de la maison abandonnée, tout en haut de l'arbre, etc. Un projet très très astucieux, qui est passé. Enfin, un truc passé, j'ai déliré, j'ai complètement fumé. On peut garder ce petit idée-là, il faut que je retire aussi toute la canne à sucre, bien entendu. Mais bon, on va plutôt en fait retirer les arbres qui sont ici, faire une petite ville, enfin une petite ville vite fait, et on arrivera en fait au bout de cette ville-là, donc là où vous serez normalement ici, donc dans la ville. Parce que là, en fait, l'accès là, en fait, la dernière fois, bon, on verra quand il fera jour, je suis arrivé ici avec les shaders, et faisait c'est le soleil, comment dire, qui passait à travers les feuilles, je trouvais cet endroit, mais magnifique, magnifique, magnifique. Et je me suis dit, si on retirait tous les arbres là, de sorte à éclairer cette dark forest, justement, mettre des fleurs partout, construire des maisons, dans un style habité ou dans un style abandonné, peut-être... Ah, Clémentine Breton qui rejoint pour la première fois, ou peut-être dans un nouveau style, et j'y pense, mesdames et messieurs, l'IP du serveur, et vous avez vu, c'est en adéquation avec mon son, c'est fantastique la technologie, on fait des choses incroyables. Bien, en attendant que le jour revienne, mesdames et messieurs, on pourrait attendre. J'avais pas souvenir qu'il y avait toutes les fleurs ici. Si ? Je sais pas. Bon, peut-être. Alors, on va faire quelque chose de spécial. On va aller chercher. Faudrait que je demande. Depuis que je suis là, il y a ça juste à côté de moi. Il y a rien qui se construit ici. C'est une plage. Ça me dérange pas. Le problème, c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a du bois. Et du bois qui est juste ici. Alors, je sais pas si je peux le récupérer. Pas le bon outil. Voilà, je peux pas le récupérer. Donc, cette parcelle appartient à quelqu'un, mais je ne sais pas du tout à qui. Et moi, elle est juste ici. Et ça me dérange un petit peu, parce que c'est quand même un peu le paysage. Et surtout que si je rase tout ceci pour avoir la vue de la forêt, ce sera un peu compliqué. On va aller tout de suite faire quelque chose de moins intéressant. Bien évidemment, on va aller récupérer, mesdames et messieurs, un petit peu d'obsidienne. Puisque vous avez vu, j'ai récupéré 15 diamants sur moi. Et, somme toute, c'est assez rare. Ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, je voudrais pas les perdre, parce que le problème, c'est que vous avez remarqué, les coffres ne sont absolument pas sécurisés. C'est-à-dire que tout le monde peut venir et se servir dans mes coffres. Alors, récupérer des graines. Bien sûr, je le déconseille. Hein. Si celui qui fait ça, bien évidemment, il aura des problèmes. Hein, parce que je crois que tout est record au niveau des connexions et des zones, je sais plus trop. Donc voilà. Il y a un truc comme ça. Hop, ça, on va le ranger. Parfois, on va le mettre à côté, d'ailleurs. Récupérer les coffres, c'est, bien sûr, c'est pas autorisé. Mais je voudrais quand même sécuriser au maximum les diamants qui sont la cible prioritaire. Donc j'ai ma petite pioche en diams. Donc on va aller en ressources. C'est parti. Je sais à peu près où est-ce qu'il y en a. Voilà. C'est pas difficile, hein. On va aller récupérer ça vite fait. Hop, hop, hop. La dernière fois, je parlais avec l'administrateur du serveur. Je lui disais, franchement, c'est cool, mais le problème de la zone ici, elle était très jolie. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien dans cette zone-là. Et c'est ce que j'expliquais. Il me fait aller sur le forum, mettre un commentaire et tout. Je fais, il devrait y avoir des amendes pour tous ceux qui laissent cet endroit-là comme ça. Bon, ça encore, ça peut aller, c'est une construction, mais... Des grands arbres comme ça qui ont été poussés à la bonne mille et puis qu'ils ont laissé les branches dedans, c'est horriblement moche. Alors ok, c'est la map de ressources, mais je sais pas. Des fois, j'hésite même... J'étais tenté. C'est pas ici, c'est là. Hop. C'est ici. La dernière fois, j'ai... Ça, la dernière fois... La dernière fois, j'étais tenté de... Comment dire, de faire un petit espace. On fera peut-être ça plus tard. Un petit espace. Mais le problème, c'est que je galère beaucoup pour avoir les ressources. Mais vraiment beaucoup. Plus que tous ceux qui sont sur le serveur depuis très longtemps. Et qui ont créé le serveur et tout. Qui avaient toutes les ressources en illimité. Et je me dis, mais pourquoi c'est moi qui devrais faire toutes ces ressources? Alors qu'il y en a qui sont maîtres du serveur depuis toujours.
Alors, oula, il y a un bug. Je cherche de l'obsidienne. Là, il doit bien y avoir de l'obsidienne. Comment quand même? Yenne là? Yenne. Yes, yes, yes. Il faudrait qu'on tout tente quand même. Hop là. Alors, pour nous faire, donc, oui, attendez, je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Donc, pour nous, c'est pas la bonne pioche, pour nous faire un coffre, un Ender Chest, tout simplement, il nous faut 8 obsidiennes et un Ender Eye juste au milieu. L'Ender Eye, il est facile à avoir. Par contre, l'obsidienne, bah, il faut la miner. Donc, 1, 2, 3. Pas sérieux. Pas des conneries. Là, tiens. Voilà, hop. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un portail du Nether. Oh, puis salut Fortin. J'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit moment, les amis, que je me disais, est-ce que... Parce qu'en fait, pour aller dans le Nether, c'est une commande. Donc, oui, je suis désolé, j'ai un peu ralenti, mais je réfléchis à 50 choses en même temps. C'est une commande. Qu'on doit taper pour aller dans le Nether. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire nous-mêmes notre propre portail, nous-mêmes notre propre salle de portail, etc. Et j'ai vérifié, j'ai fait un portail, je l'ai même pas moulé, hein, je l'ai miné. Non, on ne peut pas, les amis. Donc c'est la déception. Et oui, c'est la déception. Ce qui fait qu'on a un spawn de merde quand on arrive dans le Nether. Et ça, c'est triste. Voilà, parfait. Alors, slash home. Parfait. Alors, il me faut juste de la blaze powder. J'en ai juste une. Ok, faut pas qu'on en aille moins. Hop, un œil de l'ender. L'ender eye. Et ensuite... Voilà. Notre ender chest. Qui sera à la base, qui bougera pas de la base. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va l'installer, dites donc. Je vais faire une petite plateforme ici. On va partir par là, tiens. Hop. On va partir par là. J'avais envie de faire un petit truc sympathique dans le... Depuis longtemps que cet endroit me préoccupe. Vous avez remarqué, les amis. Oui, allô, que... Des passages secrets, les amis. Il y a des passages absolument secrets dans cette base. C'est fantastique. Voilà, on va éclairer un peu. Hop. Passage secret. Il passe des choses secrètes ici. Alors. On va décaler le truc un peu par là. Besoin, je vais l'user pour... Pas la meilleure déco du monde, je suis d'accord avec vous. On va remplacer ça après. En fait, je voulais faire juste ici une plate... Ah, c'est de l'eau, ça, ok. Je voulais faire une plateforme en quartz. Et oui, monsieur a des exigences. Voilà. Des blocs de quartz. On fait des blocs de quartz comme ça. Une fois qu'on a les blocs, on fait des slabs. Ok. Alors, donc genre, on pourrait... Attendez. Quadrille. Un espace de plus. Et on aurait un centre. C'est nickel. Voilà. Donc on a qu'à le faire... Ici, on posera notre under chest ici. Or. À moins que j'en ai dans les coffres, peut-être. Peut-être.
Que fais-tu? Bah écoute, Fortin, je continue l'avancée. Alors là, ici, on a deux escaliers, j'ai peut-être pas besoin. Alors... Hop là. Voilà. On va creuser d'un derrière. Ah, notre Fortin qui est ici. Oh, monsieur Fortin qui a un nouveau skin. Cool. Torche là. Je sais pas. Quand ça rend... Ouais, ça va, ça rend bien. Je sais pas. Et là, dans l'idée, bien sûr, qu'on pose le coffre, l'underchest au milieu. Bon, je vais mettre ça en attendant, en fait, parce que je sais pas trop comment. Ah oui, c'est vrai. Ah, un truc de... Ah. Tac, touc, tac. Voilà, ça sera même très très beau. Là, ici, on pose l'underchest, en fait, et j'avais prévu que tout autour... Ah, bah attendez, il me reste des blocs de neige. Attendez. Ouais, 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 c'est ça. On va aller se faire ça. On va aller se faire des blocs de neige. On va aller se faire des blocs de neige, les amis. Hop là, bah mince, il fait nuit, c'est pas chouette ça. On va aller se faire. Rien, c'est. Hop, voilà. Attendez, on va aller se faire des blocs de neige là. Ah! Tout va bien. Ah! Tout va bien. On voit que dalle et en plus j'ai le soleil sur l'écran. Ces constructions très bizarres. Qu'est-ce qui est marqué? C'est moi, troll. Tout va bien. Calmez-vous. Alors. Bah oui, en fait, au lieu de le faire en quartz, on va le faire en neige. Et oui, et on meurt bêtement. Oh ah. Oh ah hein. Ok. Oh ah. Je crois que c'est vraiment le pire moment pour y aller. L'usine à neige de Benji. Oh, merci. Et oui, Benji. Oh, vous avez vu l'étoile filante? Il y a une étoile filante. Wouhou. Voilà, on est un peu tranquille ici. Cool. Tellement aucune confiance. Et au moins comme ça, j'ai un champ visuel large. Bon, on en a pas mal à la maison, mais je préfère quand même en récupérer beaucoup plus. Ce sera toujours ça. Ah oui, mais je vais tourner. Trop de trucs dans mon lab. On va virer. Voilà, c'est tout. Ah oui, je bloque à la noix là. Non, je voulais avoir. On glisse. Wouh! On glisse, les amis. On glisse. C'est compliqué. C'est bon, je suis stabilisé, toi bien. En fait, j'ai mis un bonhomme de neige dans la base. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait un bonhomme de neige en bas. D'accord. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un bonhomme de neige en bas? J'ai rien fait pourtant. Mais c'était fort, hein. Hop. Oui, d'accord, ouais, on en a vraiment partout en fait. J'avais pas vu.
très concentré comme vous l'avez vu. Bon, on va avoir assez de blocs pour rentrer à la maison. Alors. Touk touk touk. Ça, ok, c'est nickel. Ça, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va la garder, cette source-là, on va la garder. Sympathie. Oh, je sais pas qu'est-ce que ça va donner avec de la neige. Il dit, il est beau mon skin. Oui, il est très beau. Voir. Ah, c'est un panda. Ça m'aurait étonné que ce soit autre chose. Bon, on va faire ça, écoutez. On va mettre ces blocs-là. On va voir comment ça se passera. Encore une fois, les amis, si vous voulez rejoindre le serveur, vous le pouvez. L'IP est en haut à gauche, bien sûr. Fortin, si tu veux m'aider, si tu veux, tu peux faire 5 glowstone lampes. Ça t'embête pas. Voilà. Donc, quand même, hop. On va bien le fermer comme ça. Alors oui, là, je remonte. Ah non, je le ferme comme ça. Pas de quoi, l'autre c'était un panda. Ah, c'est aussi un panda. Bon. Alors autant pour moi. Là, je ferme comme ça. Classique. Ouais, ça, ça va être pas mal. Nice. Mal. Faut bien faire. Faut pas. Et... Oh. On va le faire en quartz, hein, mais ça coûterait un peu trop cher, vous voyez. Juste pour avoir du blanc. Je sais pas du tout comment ça s'écrit, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ah bah, c'est bon. Ah, ah bah, il me les a donnés, ok, merci. Alors, juste par contre des carpettes, alors j'en ai que deux. Ça dérange un peu d'en avoir que deux. Comment est-ce que je pourrais faire? Attends, j'ai de la neige. J'ai plus de neige. Je récupère un peu. Tout va bien, c'est Fortin, pas de panique. Ah! Ça, ça va être cool, ça. Ça, ça va être cool. Hop, tu me les rends, merci. Hop, là, voilà. Ça, là, ça, ça va être cool. Ok, parfait. On va mettre une dans chaque coin. Oh, est-ce que ça marche? Ouais! Nickel. Hop. Une là. Et une ici. Ah, je suis encore tombé dans le trou. L'eau, ça va être un peu chiant. Ah, attendez. Hop là! Nice! Tac, tac. Oh là là! Oh, je suis un pro, là. Oh là là, là, je suis un pro, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas du tout. Pas du tout, hashtag Benji pète un plomb. Hein.
Rebenji, je courais après mon sopalin. Mon chien a piqué mon sopalin. Ah mais toujours! Ah mais toujours! Faut jamais laisser traîner un mouchoir, un sopalin, un Kleenex que vous voulez, hashtag placement de produit sponsor par Kleenex. Mais faut jamais rien laisser, c'est infernal pour ça. De la stone, s'il vous plaît. De la stone, s'il vous plaît. Je l'ai rangée tout à l'heure, ma stone. Elle est là. She is here. Ah bah c'est pas... Bon. Hop là. Voilà. C'est cool ça, c'est cool. Hop là. Ah oh oui, j'avais de la neige ici, je l'avais pas vu. Non, c'était juste tout. Ça me saoule tout ça là, je peux la ranger. Hop. Tac. La glowstone, on va pouvoir la ranger. Par exemple. Oui, j'en avais déjà. L'ester, qu'est-ce que je les utilise? Il fait comment dehors? Il fait jour ou il fait nuit? C'est la nuit. Okay. Ah, encore une étoile filante, décidément. Non, ce que je voudrais aller me faire régène, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Je récupère. On va la ranger. Hop là. C'est rangé. Le granit, peu importe, hein. On a trop de tout ça. Non, on en a beaucoup trop. Hop, voilà. Les trucs en neige, en quartz, on va les mettre là. Regarde, ça c'est ma nourriture. Ça, on va le poser. Ok. Alors, attention au roulement des tambours. Comment est la luminosité ici? Ah! Et merci à la Folox Gaming qui vient de sub. Et qui vient aussi de dire, tu fais quoi? Eh bien, je joue à Connecticraft, un serveur de survie. Un serveur de construction survie, l'IP est en haut à gauche, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ah! Parfait. Et je vérifiais donc juste. Light 0, 13, si on est dessus, 8. Donc ça ne spawn pas. Ok, c'est nickel. Bien sûr que c'est très beau. C'est du Made in Benji. Là, on croit que je lague un peu. C'est du Made in Benji, les amis. Forcément que c'est beau. Ah. Qui vole du cœur. D'accord. Ok, il fait jour? Bah non, il fait toujours nuit, nunuche. Bon, bah, on va y aller quand même. C'est pas grave. L'aventure la nuit, ça aussi, on adore le risque. Alors, je vais peut-être plutôt passer par la droite, ça sera mieux. Je vois strictement rien. C'est bon. Faut que je prenne les torches en main à chaque fois que j'ai les shaders, sinon c'est fini. Tu m'as pas vu? Il m'a pas vu. La dernière fois, je marchais là en direction de bah, d'ici pour Regen. Mon dieu! Je me suis fait prendre d'assaut par des chevaux squelettes. Incroyable! Ça spawn deux fois sur mon trajet. Époustouflant. Encore un là, mais ça va encore. Mais... Ah non, j'étais en mode... Ça y est, ma vie est finie. Je vais mourir lamentablement. Surtout que mon stuff, c'est de la grosse merde, hein, on va le dire. Je vais mourir lamentablement. Ma vie va vite se finir. Mais bon. Par chance! C'est vraiment par chance, hein. J'ai réussi à m'en sortir en faisant une prise ninja. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à en sortir, c'est ça le principal. Et oui, c'est la morale de l'histoire. Et un coup dans le micro, ça y fait du bien. Bon, c'est cool tout ça, dites donc. Encore du granit, mais c'est pas possible. Fortin, mais non. Mais c'est pas possible. Oh. Mais non! Pas comme ça! Mais non! Bon, ok, nous, ça, c'est bon. Into la maison. Très bien! Alors. Notre adversaire. Attends, voilà, il est mort où, le pauvre? Et peut-être qu'il a besoin de nous.
On va l'aider. Mort. Ah ! Tout va bien ! Tout va très très bien ! Ok, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Je l'avais juste pas vu. Ok, j'arrive. Où est-il ? Je cherche juste à savoir où il est. Je vois strictement rien. Les amis, c'est le bordel. Ah ! Quoi ? Quoi ? Ah ! Tout va bien ! Tout va bien, les amis, tout va bien ! On va crever. Oh mon dieu ! C'est affreux, les amis. Ce qui vient de nous arriver là, c'est affreux. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Les amis, je ne bouge plus. Je reste là, c'est fini. J'attends juste qu'il fasse bien jour pour que tout le monde crame, pour que j'aille récupérer ma vie. C'est affreux. Non, aussi l'objectif, c'est de récupérer des vaches. Mais en fait, le problème, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Comme je suis arrivé totalement en fait en cours de partie pour la part... je reviens, je vais nourrir le chat. Très bien. Hop, petit smiley, toujours, qui fait plaisir. Le problème, c'est que tout le monde en fait a eu le temps de s'habituer au serveur, aux nouveautés, ou tout ça. Et bah tout simplement en fait c'est compliqué, mais il n'y a plus de nourriture en fait. Bah là on est assez près du spawn, on va dire entre guillemets, il n'y a plus du tout de nourriture, il n'y a plus rien. Donc bah c'est compliqué de survivre en fait. Voilà, regardez-moi mesdames et messieurs ce paysage, c'est très magnifique. Et c'est ce que je vous disais en fait, bon pas vraiment là, bon là le soleil il est juste ici. Mais normalement on arrive là, on verra tout à l'heure que le soleil il est juste magnifique. Je vais récupérer mon eau et ma vie. Mon eau et ma vie. Hop là. Bref, salaud. Oh, c'est lui. Attendez. Oh non ! Je me hais. Je me hais, les amis. Pourquoi je ne me suis pas souvenu ? Ah purée, j'ai un truc dans le dos. J'ai une bestiole. Alors, tout va bien. Je deviens juste cinglé. Ah ! Tout va bien. C'est du grand n'importe quoi, les amis. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Attendez. Une minute. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout va bien. Où est mon stuff ? J'ai perdu mon stuff. Et mon épée, tout ça. Ah, c'est lui qui l'a. C'est pas sérieux. C'est sérieux. Ouais, c'est ça, t'as intérêt à tout me rendre, salaud. Les péripéties de Benji, c'est affreux. Non, parce qu'en fait, je voulais l'attaquer parce qu'il avait un arc flame, en fait. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Bon, bah non, attendez, j'ai bien mon arc. Attendez, je vais refaire mon stuff, moi, parce que là, j'ai pas du tout confiance. Ça, c'était ici. Ça, c'était là. Et ça, c'était là. Ça, c'était là. Ça, c'était là. Ça, c'était ici. Hop, ça, c'était tac, tac. Ça, ici. Là. J'aime bien avoir l'inventaire organisé, comme vous voyez. Ça sert toujours, en cas de problème. Femelle de 7 mois, Mila sa mère Google, son père Newton et le grand frère du duché. Bah alors là, bonjour pour les prénoms. Bon du coup nous on va aller se refaire le stuff, oui, enfin pas le stuff, non, le... Les vies, oui, donc je disais, oui, comme le serveur, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi, c'est la fin de journée, ça devient très compliqué. Donc en fait oui, il n'y a plus de vaches ici tout simplement, il n'y a plus de vaches et va ramener une vache de l'autre bout de la galaxie à la maison.
Donc, à part l'option... mais comme vous voyez, la propriété qui est ici, elle est d'une part immense. Je crois même qu'on n'a pas le droit de faire une maison aussi grande maintenant. Elle est d'une part immense. Et elle a tout, tout simplement. Elle a une usine à poulet, là, qui est ici, juste automatique. Là-bas, elle a un village PNJ. Elle a absolument tout, en fait. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit, nous, d'avoir une vache à côté de nous. Qui a un cheveu sur l'écran. Comprends-nous pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une vache qui traîne dans la nature, qu'on la récupère pour notre bien personnel. Voilà, ça, moi personnellement, j'ai pas capté. Voilà, c'est un fait que j'ai pas capté, ce qui est un peu dérangeant. Bon, c'est pas très grave. Un peu quand même. Bon, tu me redonnes ma vie, ma life, mi amor. Allez, tu y es presque, voilà, parfait. Purée, j'ai. Spécial ou quoi? C'est pas possible. Attendez. Non, toi, bien, je deviens juste cinglé. Bon. Alors, du coup, il nous reste combien de temps? Combien de temps on a record, là, déjà? Je sais pas. Hashtag Benji est complètement paumé. Il y a déjà 36 minutes d'épisode. Bon, on peut peut-être continuer encore un petit peu. On va commencer à désemblayer les arbres. Désemblayer, ce mot n'existe absolument pas, mais c'est... C'est pas très grave. Celui-là, sûr. Alors. Donc il me faudrait une tonne de cuir pour pouvoir faire les bibliothèques en fait. Ce serait cool. Mais voilà. Ça serait, mais ça ne l'est pas. Il faut du cuir et il faut trouver des vaches pour ça. Et c'est très embêtant. Vu qu'il n'y a pas de vaches. Je suis tout seul sur le serveur, je me disais bien. Ramener un petit peu de clarté dans cet endroit qui est très sombre. Vous voyez juste ça avec les lianes là qui descendent de la maison complètement abandonnée, c'est magnifique. Ces deux-là on va les garder, tiens. Ces deux-là on va les garder, celui-là on va le retirer. Peut-être qu'on va retirer plus hein, d'ici la semaine prochaine, on verra bien. Pour l'instant on va rester comme ça. Et oui, Connecticraft, c'est beaucoup de travail. Et on n'est pas forcément aidé. Avec toutes ces contraintes du serveur, etc. Donc... PVP, je sais pas qui a voté pour qu'on soit en ultra hardcore, mais bon. Bah, seulement, je pense que seulement ceux qui ont voté, c'est ceux qui... Donc le serveur est passé en ultra hardcore, et puis deux jours après, j'ai fait la première vidéo dessus. Pour vous dire à peu près le manque de peau, quoi. Voilà. C'est moi qui a fait la maison sur l'arbre. Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui a fait la maison sur l'arbre. C'est l'épisode précédent. J'ai fait ça à l'épisode précédent. Très joli. Moi, j'aime bien. Et le style de construction. J'ai le droit de poser les blocs ici. Ok. On va pouvoir peut-être innover dans le coin. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit. C'est très sombre, mais ça ramène quand même un puits de lumière. C'est fantastique. Voilà, après, il faut savoir que là, c'est la limite. Au-delà de ça, on peut plus rien faire. Ah si, c'est encore à nous. Autant pour moi, c'est encore à nous. Donc on va pouvoir continuer de construire. Là, on va pouvoir d'ailleurs même déblayer. Je vais retirer cet arbre-là qui sent pas bon. Hop, voilà. Faut que je voie, faut que j'aille à peu près un aperçu global de la zone. Bah, peut-être on va monter, tiens. On va monter pour avoir... Ça, c'est l'arbre central, on va dire, et tout autour, on construira. Qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis très gentil, je suis là, on est, mais pour l'instant, je vais travailler. Ah, mais non! Je dis pas ça pour toi. Oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Non, non, je dis pas ça pour toi. Je dis ça que le début, le serveur, il était... en normal en fait, et qu'il est passé en ultra hardcore, et donc c'est devenu très difficile. Et je veux dire, dans le sens où je suis tout seul, c'est à dire que tous ceux qui ont démarré le serveur, ils étaient. C'est pas ça, c'est pas un accès. J'avais fait ça? Tous ceux qui ont. Bon, je sais pas. Tous ceux qui ont démarré le serveur, ils étaient en normal, tous ensemble. Donc ils se sont tous aidés. Moi non.
C'est compliqué. Bon, ça, concrètement, ça va falloir le retirer. Donc, ok, jusqu'à ça, à peu près, faut tout retirer. Et après, ok, après, jusqu'à ça. On va descendre tranquillou, vous allez voir ça. Par les lianes! Voilà! Voilà, donc vous avez. Regardez, c'est cette vue-là que je dis. Vous avez le soleil qui arrive de derrière. Vous éblouit la face et vous avez ça, c'est magnifique. J'avais dit jusqu'à le trou qui avait été rebouché. Ok, donc ça faut retirer. Ok, bah ça fait un paquet d'arbres. Bon, des maisons seront à cette place-là, donc ce sera quand même cool. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête, hein, ça fait un long épisode. Mais bon, c'est l'épisode de reprise, c'est comme ça. Oula. Hop. Donc oui, la déforestation, tout ça, c'est pas bien, je sais. Mais encore une fois, nous sommes dans un jeu. J'ai besoin de ramener un puits de lumière. Alors. Lui, il ramènera quand même un puits de sombritude, mais bon. Grave. Pas au centre. Ou alors je vire tous les arbres sans forcément réfléchir. Comme ça, au moins. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on vire tous les arbres? Alors dites-le assez rapidement parce que je vais travailler ça dans la semaine, donc ça 6 mois après la vidéo. Mais je pense que je vais retirer tous les arbres et je pense. Je pense. Bon, on va aller ranger ça dans le coffre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on retire tous les arbres en gardant l'arbre au milieu? Bon, ça lui, je pense qu'il va dégager aussi. Il m'embête pas mal. Après, ici, on a un énorme puits de lumière pour faire plusieurs petites maisons un peu abandonnées. Oh, vous avez vu, les lampes viennent de s'allumer. Bon, on va aller voir la salle, on va aller ranger nos diamants. Hop. Alors, on va les ranger juste ici. Parfait. Voilà. Avec notre tas d'enchantes aussi. Comme ça, on est sûr que personne ne pourra les piquer. Et c'est tranquille. Voilà. Comme ça, tout le monde arrive. Ils ont leur table juste ici. C'est nickel. Enfin, pas leur table, justement. Ils ont leur salle ici pour les récupérer leurs ressources. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui, hein. Et oui, il faut bien se quitter à un moment près. Et oui. Donc les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de mettre. Il fait tout le temps nuit sur le serveur. Soit il fait nuit, soit il fait pas beau. C'est quand même fantastique. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime et de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Et les amis, on se retrouve donc très rapidement pour un de vos épisodes favoris. Les amis, à la prochaine et ciao, bye bye!